musique. Et j'aimerais dédier cette séquence à Monsieur Henri Barbier, qui fut mon professeur d'éducation musicale à l'école des frères de Tournai. La musique, c'est l'art des sons, bien sûr. Et un son, c'est une réalité tout à fait physique. Mais cette réalité physique peut engendrer quelque chose d'impalpable, d'évanescent, d'immatériel. C'est en ce sens d'ailleurs que le grand philosophe allemand Hegel disait que la musique était un art plus spirituel que l'architecture, plus spirituel encore que la peinture ou la sculpture. Il est vrai aussi que la musique est libérée de toute obligation de signifier, même si l'on sait qu'il existe une musique dite figurative. C'est en ce sens aussi qu'elle se distingue de la poésie. Même si la poésie n'engendre pas toujours de la signification. En tout cas, la musique est peut-être celle qui peut le mieux exprimer, au-delà justement des mots, l'âme en soi, le sentiment tout à fait intérieur.